Où aller? Pas question de prendre le train, de me hasarder sur les routes ni sur les bateaux qui descendent le fleuve. Trop risqué. Au point où j'en suis, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Du moment que je suis à Modern City, il faut y rester. La cité est bien trop grande pour moi. Il me suffit désormais de dénicher un quartier où je ne risque pas de me faire tirer dessus. Où je pourrais prendre le temps de m'organiser avant de me lancer dans de nouvelles aventures. Bonsoir. Très vite, je vous présente nos invités, car ce soir, nous avons beaucoup d'invités, beaucoup de sujets, beaucoup d'éléments. Donc, ne perdons pas de temps. Tout de suite, je vous propose Anna Brucknall, qui apparemment n'est pas venue seule, mais toujours accompagnée. Enfin, Gérard Courant, je ne sais comment vous qualifier. Vous faites des cinématons. Vous me direz dans un instant si vous êtes un maton qui fait du ciné, si vous êtes un cinéaste qui fait des matons, si c'est un photomaton, un cinématon. Enfin, nous verrons tout ça, j'espère, dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire 45 minutes. Anna Brucknall, écoutez bien et regardez bien votre voisin, car c'est un curieux cinéaste qui fait des expériences. Eh oui, oui, oui. C'est vrai. Gérard Courant. Même pour les comédiens de 40 ans. Comment? Même pour les comédiens de 40 ans. Alors, nous verrons ça dans 20 ans. J'espère. Il fait des cinématons, c'est bien cela? C'est absolument ça, oui. Alors, le principe du cinématon? Le principe, il est tout à fait simple. C'est un portrait filmé d'une personnalité du monde des arts et du spectacle qui dure pendant 3 minutes et demie, en plan fixe, comme une photo d'identité, sans son, et la personne qui est filmée est libre de faire ce qu'elle veut devant la caméra. Sans son, sans parole, mais est-ce qu'il y a quand même du bruitage? Non, c'est du cinéma entièrement muet. Oui. Alors si vous voulez, le bruitage se fait dans les salles avec les spectateurs qui rient, qui pleurent quelquefois, qui crient, qui chahutent. C'est proche du happening parfois, c'est très drôle. Non mais c'est épouvantable ça. J'ai avancé au départ tout. Ouais. C'est signé alors. Mais c'est pour 20 ans. Donc, vous avez déjà filmé combien de personnalités comme ça? Alors, pour l'instant, j'en ai filmé 1000. Et depuis 10 ans, je fête mes 10 ans, je suis un peu comme le cinéma du réel. J'ai fait mon premier cinématon en février 78. Quel a été le premier, vous vous souvenez? Je m'en souviens très bien, c'était une vieille dame qui avait 75 ans et qui était ma concierge. Ah, il y a aussi bien des inconnus, parce que je crois que votre concierge n'est pas encore connu de tout Paris. Ça ne saurait tarder. J'espère. Il y a aussi bien des personnalités que des inconnus. C'est ça, il y a des gens très célèbres. Je ne sais pas, des gens comme dans les cinéastes, comme Godard, comme Fuller, comme Wenders, comme Lozé. Puis il y a beaucoup d'acteurs aussi, comme Sandrine Bonner, comme... Et on a carte blanche pour faire ce qu'on veut. Les gens font absolument ce qu'ils veulent dans les limites que je leur propose. Parlez bien dans votre micro, Anna. Ça veut dire que les bandes sonores sont plus fortes que les personnages que vous montrez. Parce que n'importe comment, ce qu'ils font...
qu'il reste, mais votre bande sonore peut faire ce qu'il veut avec non, oui, non, mais il n'y a pas de bande sonore. C'est du cinéma muet. Comment? Non, ah bon, j'ai compris qu'elle arrive. Pour bien faire comprendre à tout le monde, je vous propose de regarder un extrait. D'un... Ça fait 3 minutes à peu près. Hein. C'est ça. On va peut-être pas le voir entièrement. On va prendre celui qui ne fait pas grand-chose, hein, parce qu'il y en a qui font beaucoup de choses, d'autres qui font. C'est ça. Il y a... d'autres qui font moins. Il y a deux écoles dans le cinéma. Oui. Il y a ceux qui font quelque chose, puis ceux qui inventent un scénario, une mise en scène. Alors, vous avez... on va prendre Wim Wenders. Et je crois que c'est la première école, lui. C'est ça. Voilà. On peut dire ça. Wim Wenders, filmé par Gérard Courant dans le cadre du Cinémathon. Alors, on peut faire la bande sonore nous-mêmes, puisque comme il n'y a pas de son. La nature sonore ayant horreur du vide musical, on peut... Voilà, vous pouvez... Où était-ce? Alors, ça a été filmé en 1982, lors du Festival de Cannes, quand Wim Wenders présentait Hamet. C'est dans sa chambre d'hôtel? C'est dans... C'est dans les jardins, je crois, d'un hôtel qui était près du palais du festival. Apparemment, c'est du film, hein, ce n'est pas de la c'est vidéo. C'est du cinéma, oui. Oui, ça se voit. C'est 16. Pour ça qu'on appelle ça du cinémathon. Oui, c'est du 16? Non, c'est en Super 8. En Super 8, ah, tout est si cher. Il n'y a qu'une seule prise ou on peut reprendre? Alors ça c'est très important, il n'y a toujours qu'une seule prise, c'est absolument impossible de recommencer. Et en plan séquence? Et en plan séquence, il n'y a aucun montage. Pas de montage. C'est le principe le plus simple qui soit. Mais vous changez les rapports quand même, les focales. C'est toujours le même cadrage. Vous n'avez pas répondu là. Ah, pendant 3 minutes et demie, donc il est resté comme ça, il a regardé à droite, regardé à gauche. L'objectif, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il lisait également et puis il réfléchissait à la prochaine interview qu'il allait avoir après Cinémathon. Bien, et peut-être pas nécessaire. Vous nous garantissez que ça se passe de la même façon après, hein? À peu près, oui. Bien. C'est la première école, voilà. Alors, Anna Prugnal, que vous en semble? Je ne sais pas pourquoi j'ai compris qu'il y a une bande sonore qui accompagne. Non, il n'y a pas de bande sonore, il n'y a rien. Il n'y a rien. En Super 8. Je vous expliquais que quand c'est présenté en public, il y a des réactions. Ah oui, c'est pour ça que oui. Tu parlais de bande sonore. Mais je ne sais pas. Quand j'étais toute jeune, j'achetais à mon enfant à Moscou une caméra Super 8. Et il faisait la même chose à la maison pour ses parents, etc. C'est très bien. Il faut amener les films, alors ça m'intéresse beaucoup. Non, mais c'est toujours très intéressant. J'ai vu aussi les louches. Je ne sais pas montrer les films de l'enfance comme ça. C'est toutes ces caméras amateurs qui filment ses parents. Non, mais c'est toujours intéressant. Je suis pour les grands films. Je pense que vous allez me proposer quelque chose d'extraordinaire comme film. Oui, bien sûr. Mais là, il commence déjà à être grand parce que... 3 minutes, bien sûr. Ça fait 70 heures maintenant, donc ça commence. Vous avez 70 heures de cinémathon comme ça. C'est ça, oui. C'est des projections sur plusieurs... Ça devient à la mode. Ouais. Alors, on va regarder peut-être... Un second exemple, c'est quelqu'un qui essaye de faire des choses. C'est ça. C'est Juliette Berthaud. Hein? C'est la deuxième école. Deuxième école, celle de l'animation, dirons-nous. C'est ça, c'est disons plus spectaculaire. Voilà, Juliette Berthaud, donc. Mais c'est ma copine, mais... Mais elle est filmée comment, là? Il y a un trucage, expliquez-nous à travers une glace. Oui, alors, entre la caméra et Juliette Berthaud, il y a une glace qui est teintée en gris, et le caméraman, qui est moi... se superpose sur son visage et c'est elle qui avait demandé à ce que soit mise cette glace teintée. Et vous ne dirigez rien, vous ne suggérez rien? Non, je laisse pas directeur d'acteur. Je refuse d'intervenir, je laisse la personne absolument libre de faire ce qu'elle veut. Apparemment, on peut venir avec des accessoires. Ah oui, il y a des gens qui amènent toutes sortes d'accessoires, en effet. Anna Prugnal pourrait venir avec son chien. Alors, ça serait très très beau avec le chien. Non, mais vraiment, je sais pas. Bon, je fais striptease de l'âme pendant mon spectacle, mais. Oui, c'est une espèce d'exhibitionnisme. C'est ma meilleure copine, attention. Une de mes copines. Et c'est magnifiquement filmé, donc ça, heureusement. Voilà, si on se tait, c'est vraiment les conditions de la projection du film. Hein? Non, mais ça veut dire... Avec uniquement les bruits de la salle. Parce que c'est ça, mais enfin, il y a toujours des gens qui parlent, parce qu'on retrouve un peu l'ambiance des premiers films du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a une participation de la salle, les spectateurs se sentent un peu interpellés, et il y a toujours beaucoup de réactions, quels que soient les lieux où c'est présenté.
Et ça, c'est une chose qu'on retrouve un peu dans tous les pays. Il y a une ambiance tout à fait particulière. Et en général, assez drôle. Et même quelquefois très drôle. C'est passé dans de très grandes salles ou... C'est passé dans beaucoup de salles. Il y a eu beaucoup de rétrospectives. C'est passé dans beaucoup de festivals de cinéma. Et actuellement, on fait une grande rétrospective des 1000 cinématons au Centre Pompidou. Et ce n'est pas dans le cadre du cinéma du réel, parce que je pense que c'est plutôt un cinéma irréel. Oui, ou surréel, ou hyper réel. Hyper réaliste, oui. Mais alors, quel est le but de ce que vous recherchez? C'est de les déstabiliser, de les mettre mal à l'aise avec eux-mêmes, de les forcer à trouver en eux-mêmes une contenance? C'est d'essayer de chercher une vérité intérieure. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une réaction qui est assez fréquente des gens qui sortent de la salle après avoir vu des personnages qu'ils connaissaient, c'est de dire, oh là là, qu'est-ce que c'était lui ou qu'est-ce que c'était elle? C'est-à-dire que le principe fait que les gens sont obligés quand même de se révéler eux-mêmes. C'est bien qu'il n'y ait pas la parole, c'est peut-être un certain cinéma néo, enfin, cinéma vérité, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais c'est le principe que mettre en scène dit pas stop, hein, coupé, et tu ne sais plus quoi faire et... Mais tu n'arrêtes pas, tu es professionnel, ce n'est pas coupé. Donc oui, j'avais vu des bouts d'essai de Marilyn Monroe qui étaient absolument extraordinaires, où elle posait comme ça, il n'y avait pas de direction, et c'était très très émouvant. On pourrait peut-être faire un petit essai sur Pierre Bouteiller, là. Mais c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Ah, ben, j'espère. Mais vous, Antoine Hervé, puisque vous avez pris la parole. C'est le principe, hein, que tu es obligé d'exister parce que tu as appris de jouer, on ne te dit pas coupé. Ce sont des acteurs uniquement ou ce sont des gens... Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est des gens du milieu artistique et du milieu du spectacle. Alors c'est aussi bien des cinéastes et des acteurs. Je ne savais pas que votre concierge était dans le spectacle. Oui, c'était une concierge très particulière parce qu'on avait une association de cinéastes. Et cette vieille dame était merveilleuse, elle s'occupait de nous. Elle nous défendait dans le quartier quand on faisait beaucoup de bruit le soir, quand on faisait des projections. Elle était vraiment notre meilleure supportrice. Alors, j'avais pensé qu'elle avait tout à fait sa place dans cette anthologie filmée. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, votre concierge? Elle a improvisé un petit scénario muet ou bien elle s'est contentée d'exister? Alors, ma concierge s'est contentée d'être. Elle n'a pas compris que c'était du cinéma. Elle a pensé pendant tout le temps que c'était de la photo et de temps en temps, elle posait la question, mais ce n'est pas fini. On lui disait non, il faut continuer, ça continue. Ah, c'était la première fois de sa vie qu'elle était filmée, d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs, c'est très intéressant, son cinématon, parce que Elle se révèle d'une façon tout à fait différente, parce que les concierges disent c'est quelqu'un de très sérieux qui garde une maison. Là, d'un seul coup, elle retombe en enfance. Très étonnant. Mais dites-moi, c'est un rêve de cinéaste paresseux, votre truc, parce que c'est vrai. Vous avez entièrement raison. Vous mettez, parce que c'est appareil sur pied, vous mettez 3 minutes, vous allez boire un verre, vous revenez, c'est fait. Et j'avais fait une publicité sur le film il y a quelques années en disant que c'était le film le plus paresseux de l'histoire du cinéma. Et j'en étais d'ailleurs fier. Quel a été le meilleur résultat et le plus mauvais sur ces 1000? J'ai eu un excellent résultat d'un bébé de 7 mois qui s'appelle Galaxy Barbout et qui est absolument un bébé de 7 mois. Ah oui. C'est pas celui qui a fait une grande carrière dans un couffin après, non? C'est pas celui-là. Et ce bébé vomit même en plein cinématon et son visage se transforme. C'est merveilleux. Non, oui. C'est merveilleux. Les gens applaudissent à chaque fois. C'est un succès garanti. Oh ben, on ne fait pas tourner un bébé impunément. Et là, le plus mauvais souvenir? Vous savez, dans les gens qui ne font rien, il y a des cinématons qui sont un peu ennuyeux. Je pense que beaucoup de Suisses et d'Allemands sont les gens qui passent peut-être, qui font le moins de choses, qui sont peut-être les plus ennuyeux. Alors je ne citerai pas de nom, mais disons, je me contente de citer des nationalités. Oui, c'est-à-dire que Jean-Luc Godard, par exemple. Encore que pour un Suisse, je trouve qu'il se comporte très bien dans le cinématon, mais d'autres Suisses sont sur un mode très très mineur. Par contre, ce sont les Belges qui sont les plus drôles. Mais les animaux et bébés, ça c'est le meilleur. Les animaux, les bébés et les Belges. Ce sont les meilleurs. Anna Pugnal, qu'est-ce que vous pensez de cette expérience? Je ne peux pas avoir opinion parce que je suis comédienne. Ah mais j'espère. Donc je cherche un emploi, toujours. Parce que vous allez y passer, Gérard Croix. Bébé et animal, bien sûr, ils sont toujours plus forts que moi. Anna Pugnal va y passer aussi. Moi j'espère, je serais très déçu si Anna Pugnal ne participait pas à ce film parce que je le continue. Non mais c'est quand même pas possible pour nous. Pourquoi? Mais j'ai filmé beaucoup de comédiennes et... Non, mais regardez Juliette Berthaud. Mais Juliette, elle est sublime. Elle jouait un personnage. Gigi, mais qu'est-ce que je peux jouer? C'est pas possible. Dans votre film, vous êtes vraiment une fourmi ou je sais pas, la cigale. Ah, la cigale. Ah, la cigale. Quelle manière de ramener à l'actualité de la cigale. Ah, bravo. Je suis forte, hein. Ah, ça, c'est une vraie professionnelle. Oui. Donc, vous êtes à la cigale pour un nouveau tour de chant avec des nouvelles partitions, des nouvelles musiques, des nouveaux textes.
En tout cas, j'aime ce spectacle. C'est un spectacle peut-être très, très, pas difficile. Il ne faut pas dire qu'il est difficile, mais il n'est même pas... Il est même pas triste, c'est un spectacle s'il est suicide, même pas. C'est la mort et la vie. Et j'utilise beaucoup de poèmes de futuristes russes qui sont suicidés. Elle se sauve avec l'humour. Non, c'est après ça. Alors au monde. Elle n'aime pas l'humour. Et encore moins l'ironie. Hein? Il manque un point. Voilà. Si, je déteste l'ironie, mais ça n'a rien à voir avec l'humour, ironie. Je déteste l'ironie. Ah bon? Les gens ironiques, c'est très. Un plan muet de 3 minutes et demie avec un apocryphe. Non, je pense pas, parce que si elle aime vraiment l'humour, je pense qu'on va s'entendre. Ah oui? Je ne veux pas rester 3 minutes comme ça. Chienne, viens. Avec les animaux, c'est plus facile. Ben oui, c'est rare qu'ils se mettent à parler, non, effectivement. Mais pourquoi? Bon. Play as time goes by. Et comme vous dites, oui, c'était un bien joli film. Bien, si on a quelques temps encore, avant que vous fassiez ce cinématon. Le fameux cinématon. Hein? Oui, ben j'espère. Avec. Je porte les porte-jartelles. Comment? Alors là, il faudra peut-être monter, bouger. La caméra ne bouge pas, mais les personnages peuvent bouger. Vous avez remarqué qu'ils cadrent surtout les têtes. Et voilà. Où je me trouverai avec mes jambes. Il est possible, des gens ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils sont cadrés au niveau du visage et ils peuvent monter sur un tabouret et se montrer entièrement. Certaines personnes ont réussi à montrer tout leur corps. Dites-moi, vous les deux représentantes du cinéma du réel, ça ne vous concerne pas ça alors, Marie-Christine? Ça me paraît en effet assez différent de cinéma du réel. Non, mais je disais que nous, on a des films de 2 heures, 3 heures, même 4 heures. C'est pas une question, c'est pas une question de durée, c'est que c'est quand même mise en scène, qu'on le veuille ou non. C'est mise en scène par le sujet. Ah oui, non, mais dès qu'il y a une caméra, on est mis en scène. Dès qu'on a une caméra en face de soi, on joue. Donc on se fait filmer, on joue. Oui, donc ce n'est plus du réel. Si, je crois que le réel peut être mis en scène et filmé. Mais sur la durée, c'est quand même l'opposé de cinéma du réel. Parce qu'à cinéma du réel, on n'a pas peur de montrer des films qui durent 3 heures. Que pensez-vous des expériences de cinématon? Je ne suis pas sûre. Si j'avais un cinématon de Gérard Courin, je ne suis pas sûre que je le sélectionnerais pour cinéma du réel. Je crois qu'il faut que j'en voie encore, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Je ne veux surtout pas être sélectionnée au cinéma du réel, parce que c'est du cinéma irréel ou hyper réel. Antoine Hervé, si on vous le propose, vous allez proposer à Antoine Hervé aussi. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien ou bien... Non, alors là, si, je vais probablement... Enfin, je veux bien essayer, hein, mais... Je ne garantis pas ce que je vais faire. 3 minutes et demie. Pendant 3 minutes et demie devant la caméra. Son, oui. Moi, si vous m'amenez 4000 personnes à mon spectacle, je fais même 6 minutes. Il ne veut pas. Non, mais les règles sont terribles. Je sais que les règles du cinématon sont terribles. On me le dit tous les jours. Celle de la promotion aussi. Mais je commence à croire que ce sont grâce aux règles, à ces règles-là, qu'on arrive à faire quelque chose, disons, qui sort vraiment de l'ordinaire. Voilà. Les artistes sont prévenus combien de temps en avant? Certains plusieurs années et d'autres quelques jours à l'avance. C'est selon les cas. Il y a des gens qui décident très vite et d'autres qui attendent plusieurs années. Donc ça veut dire ceux qui veulent se montrer, comment ils se montrent. Bon. Quelques semaines, Jean Le Poulain dans cette même émission. Oui, Anna Prucknall? Non, mais non, seulement, Pierre, je vais vous dire que... On a quelques semaines, mais je vous regarde. Gérard Courant, vous l'aviez fait participer à vos travaux? Malheureusement pas, je le regrette. Vous pensez que dans plusieurs décennies, votre travail servira à éclairer les générations futures sur la société française connue et inconnue des années 80? Faut l'espérer, mais pas seulement française, parce que j'essaie de filmer des gens d'un peu toutes les nationalités. Et bon, ça intéresse de plus en plus de gens qui sont intéressés par des documents sur les universités vont l'appeler, vont l'acheter? Peut-être. Est-ce que ça vous plairait de faire un vrai film un jour? Oui, j'ai fait un film l'année dernière qui a été présenté au Festival de Cannes, qui s'appelle Les Aventures d'Edith Hurley, qui est un vrai film d'aventure. La fiction, alors. Qui est de la fiction. Bien, merci à tous. Alors, je rappelle, les réels à Pompidou, les hyper réels également à Pompidou. Au cinéma du musée. Oui. Anna Prucknall à La Cigale. Au revoir et à demain. Thank you.
fou. Même lorsqu'il a fait des tableaux, il a fait un film, il a fait une pièce, je plonge totalement, puisque hélas, c'est ma vie d'empreinte. Je vais vous montrer un document que vous connaissez peut-être, mais tout le monde ne le connaît pas. C'est vous, en tant que comédien, en tant qu'acteur. C'est vrai. Et c'est un rôle muet, donc on va pouvoir continuer à parler. En regardant, ça vous dira sûrement quelque chose. Arabal tel qu'en lui-même. Vous identifiez ce plan? Non. Ben regardez encore. Tout le monde peut commenter. Hein. C'est un film muet, vous avez le droit de faire la bande sonore. Ah, il y a un tableau au fond. Ah oui, c'est un tableau qui me représente en train de naître. Je nais de ma propre bouche. Ah, les jeux d'échecs. Ça, c'est capital. Oui, ça, c'est là. Alors, vous savez de quoi il s'agit quand même, là, Arabal? Oui, je crois que c'est un film qui a été fait en 3 minutes par... Par Gérard Courant. Oui, qui est un très grand metteur en scène, à mon avis. Et qui a des documents uniques, puisqu'il nous a filmés tous. Oui, il est venu ici à cette émission parler, oui. Il a filmé un certain nombre de personnalités. Je crois qu'il en a déjà 1000 à son actif ou à son passif. Et le challenge, comme on dit sur une autre chaîne, on va dire en français le défi, consiste à improviser en muet pendant 3 minutes un plan séquence et faire absolument tout ce qu'on veut. Enfin, c'est vous qui êtes votre propre metteur en scène, en fait. Oui, mais tout simplement, j'ai fait faire passer un tableau qui me représente en train de naître et je me vois en train d'arranger comme un horloger ces montres d'échecs et tout cela avec les problèmes de vision puisque vous regardez la quantité de lunettes qui se place, qui arrive à se placer sur mon nez. Donc c'est vous qui avez trouvé toutes les idées pour ce cinématon, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un cinématon. C'est un document extraordinaire, enfin peut-être pas le mien, mais enfin toutes ces séries de documents qu'a fait ces garçons, ce sont des documents extraordinaires, et je ne sais pas si lorsque beaucoup d'années vont passer, ça c'est pas le cinéma qui restera. Il faut dire que étant en Italie avec Pasolini, Pasolini m'a dit un jour, écoute Arabal, c'est quand même un peu bête que toi et moi on fasse du cinéma, puisque ça va dépérir, le cinéma se autodétruira lui-même, alors que nous, vous et moi, on pourrait faire des... Vous avez 6 paires de lunettes, là, c'est quoi? C'est-à-dire, ça, c'est ma passion pour les jeux d'échecs, c'est-à-dire, encore un aspect de ma vie dans lequel j'ai raté. J'aimerais tant être champion d'échecs. Ah, vous pensez que c'est ce qui restera du cinéma lorsqu'il aura disparu, ce sera le cinématon de Fernando Arabal? Non, enfin, tous les cinématons de ces garçons qui courent... Comme documents sur... Comme documents, sont des documents très intéressants. Et je pense, comme il disait Pasolini, que les films en général ne resteront probablement pas, puisqu'ils savent... autodestruisent. Georges Pludermacher, est-ce que ça ne vous démange pas, vous, en tant que musicien et pianiste, de voir un film muet? Vous n'avez pas envie de déposer de la musique sur la piste sonore? Non, pas. Il vous manque pas quelque chose? Je ne déposerai pas des verres au pied de... Non, de la musique au pied des verres de lunettes. Très joli. Détournement de Victor Hugo. Là. Mais vous n'avez pas l'impression que lorsqu'il y a un film maintenant sans bruit et sans musique, qu'on se sent... un peu infirme, on est tellement conditionné, shooté au bruit, au son, qu'on n'est plus habitué au silence. Qu'il dites-vous enfin, à vous. Oui, à moi, oui, bien sûr. Mais enfin, je veux dire, quand on entend, quand je vois les gens avec des casques sur les oreilles qui mettent dans le métro, dans le train, dans la rue. Thank you.
que dure une bobine de Super 8. 3 minutes 20, c'est le temps que Gérard Courant a choisi pour laisser s'exprimer en images seulement les victimes de son cinématon. L'idée est simple, installer quelqu'un devant une caméra et attendre que ça se passe. Alors Gérard Courant, bonjour. Combien de personnes avez-vous traqué ainsi avec votre caméra? J'ai filmé plus de 1000 personnes. Il y a eu une rétrospective il n'y a pas très longtemps au Centre Pompidou, où on a montré les 1000 personnes filmées. Alors là, on voit Juliette Berthaud derrière vous. Et alors, à chaque fois, vous êtes surpris par leur comportement, ou est-ce qu'on retrouve les mêmes types de comportements? Oui, il y a beaucoup de surprises. Et si je continue encore à faire des cinématons, c'est parce que, justement, je suis surpris. Et tant que je serai surpris, je continuerai à en faire. Et le jour où je ne serai plus étonné, ben, peut-être que j'arrêterai. Parce que vous dites 1000 cinématons, c'est ça? Exactement, 1032. 1032, ça veut dire que vous faites ça depuis combien d'années? Ça fait 10 ans de tournage, ça représente 72 heures de film. Et vous vous ressentez comment? Comme un photographe, un portraitiste ou plutôt un analyste? Oh, je crois que c'est un peu tout à la fois. Enfin, avant tout, je suis un cinéaste. Alors Juliette Berthaud était là. Juliette, vous m'avez dit tout à l'heure que parfois les gens tentaient de ne rien dire devant la caméra et c'est à chaque fois impossible. Oui, il y a des gens qui ont essayé de ne rien faire pendant 3 minutes et demie, et évidemment, c'est impossible. Il y a toujours un moment où un visage s'avit, il y a toujours quelque chose, une petite émotion qui passe. Alors là, à ce moment-là, le public éclate de rire. Il faut dire que les séances des cinématons sont à chaque fois, c'est une sorte de délire dans la salle, c'est assez proche du happening, et c'est tout à fait unique dans le cinéma. Enfin, il n'y a pas d'autres exemples, on a une salle qui vit comme ça. Et les gens qui sont devant la caméra ont le droit de tout faire, sauf de parler? Ils ont le droit de tout faire, ils peuvent parler, mais ils savent que c'est du cinéma muet. Et alors, il y en a qui utilisent des objets, il y en a qui utilisent toutes sortes de choses, il y en a qui font des grimaces, il y en a qui inventent un scénario. Enfin, chacun fait ça avec sa personnalité, et ça donne des résultats très diversifiés, très différents. Et comment ceux à qui vous proposez le cinémato réagissent? Ils trouvent ça drôle, ils sont effrayés, ils sont amusés? Disons que les gens que je filme, ce sont surtout des gens des arts et du spectacle, et plus les gens sont célèbres, et plus facilement ils acceptent d'être filmés. Il y a plus de difficultés avec des gens qui n'ont pas beaucoup l'habitude de la caméra, pas l'habitude des médias. Vous en avez filmé beaucoup? Des gens qui ne sont pas connus? Je sais pas, il y en a peut-être la moitié qui ne sont pas connus. Et comme c'est un film assez international, il y a beaucoup de gens que j'ai filmés à l'étranger qui sont peut-être pas nécessairement connus en France, mais qui sont connus dans leur pays. Alors Beaubourg a récemment fait une rétrospective de vos cinématons, c'était au mois de mars je crois. C'était au mois de mars, il y a eu 15 jours de projection, oui. En non-stop, pendant la journée. Et là vous organisez une mini-rétro? Oui, c'est ça. Le Grand Edgar va présenter donc samedi soir de minuit à l'aube 70 portraits. Alors, en même temps, ce sera un spectacle. Il y aura des choses surprises pendant la nuit, des filmages surprises. Il y aura même une élection par le public du meilleur cinématon qu'ils auront vu dans la nuit. Et donc, il y aura peut-être plusieurs personnes qui auront trouvé le portrait vainqueur. Alors là, la personne sera tirée au sort et sera filmée sur scène en présence du public. Ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ambiance. Donc ça, c'est samedi soir? C'est samedi soir à minuit. Bon, et si je vous demandais parmi les 1000 cinématons que vous avez fait, lesquels vous ont le plus marqué, 2 ou 3, vous citeriez quoi? Ouais, je sais pas, par exemple, je pensais à Yves Mourouzi. Yves Mourouzi, pendant 3 minutes 20 sans la parole, c'est tout à fait un autre personnage qu'on n'imagine pas quand on a l'habitude de le voir comme ça pendant des années à l'écran. Gérard Courant, je vous remercie. We'll be right back.
Bonjour. Pascal Faure défend le court-métrage avec beaucoup de passion. Et aujourd'hui, elle va nous présenter... Un hurluberlu du court-métrage. Un hurluberlu du court-métrage. Ouais, c'est comme ça que vous celui qui est un petit peu passé à travers champs et qui a une expérience depuis 10 ans complètement différente. Est-ce que ça vous dit quelque chose de cinématon? Non, non. Je vous présente Gérard Courant, qui est réalisateur depuis 10 ans de cinématon, qui va nous définir ce que c'est. Alors, le cinématon, c'est un portrait filmé d'une personnalité des arts et du spectacle qui dure pendant 3 minutes et demie. Oui. C'est un peu la photo d'identité ou le photomaton en cinéma. Et les personnes qui sont filmées font absolument ce qu'elles veulent devant la caméra. C'est drôle, ça, déjà. C'est drôle, et il y en a eu beaucoup qui ont été faits. Il y en a eu plus de 1000 maintenant. Et donc, ça fait quand même quelque chose de très important. Alors, ce qui est important, c'est que c'est muet. C'est muet. C'est du cinéma muet, et ça, c'est très important. Et ils font ce qu'ils veulent. Les gens ont la liberté totale de faire ce qu'ils veulent. Alors, je vous montre 4 exemples de cinématons raccourcis, parce qu'ils durent 3 minutes 20. C'est dans le temps d'une pellicule Super 8. Alors, on commence tout de suite. Alors, il y a un premier cinématon, si on peut les voir. On va les commenter ensemble. D'accord. Alors, c'est un ou une participante pour le premier? Ah, ben, le premier, c'est Sandrine Bonner. Sandrine Bonner. Alors, ça, c'est la carte signalétique. Et Sandrine Bonner, pendant. On la voit pendant un certain moment, elle est assez gênée. Ça s'est passé comment, la rencontre avec Bonner? Ben là, c'est un peu un scoop, parce que c'est sa première apparition cinématographique. C'était tourné en juillet 1982. C'était avant À nos amours? Oui, c'était pendant la préparation de À nos amours. Et Sandrine Bonner devait tourner dans le film, mais c'était peut-être 2 mois avant. Alors là, elle est venue carrément sans idée, c'est-à-dire elle s'est mise devant la caméra et puis ben, elle attend que ça se passe, en fait. Et c'est très long, 3 minutes 20, en fait. Là, on en voit juste un petit moment. Alors c'est tout à fait extraordinaire parce que le deuxième, c'est on découvre déjà son personnage. Hein. Oui. Jacques Monory, peintre que vous devez connaître, je pense, à Annabelle Buffet, qui lui a fait carrément une mise en scène. Alors il joue beaucoup avec l'espace, avec le blanc. Il avait choisi un décor parfaitement blanc avec son t-shirt. Et bon, là, c'est là qu'on retrouve le plasticien. Et une chose qui est très frappante avec ces cinématons, on s'aperçoit que finalement, les femmes, très souvent, ne font rien, n'ont rien prévu, tandis que les hommes, eux, se mettent beaucoup en scène eux-mêmes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes sont peut-être plus exubérants, plus spectaculaires. Et plus les femmes, gênées. Oui, et les femmes n'en rajoutent pas. Elles sont plus naturelles, elles se présentent... Elles se montrent telles qu'elles sont et les hommes ont besoin de jouer un petit peu la comédie. Et vous savez, être naturel est peut-être la pose la plus difficile à conserver. Hein. Sûrement, mais en fait, il a une gueule incroyable, Monory, je trouve. Alors, ce qui est fou, c'est... Alors, Gérard Jugnot. C'est drôle, hein, comme truc. Ah oui, c'était très étonnant. Alors, là, donc, à chaque fois, on envoie un petit extrait par rapport aux 3 minutes 20. Alors, Gérard Jugnot était fatigué, c'est ça, ce jour-là? Oui, je l'avais filmé un matin alors qu'il avait dû se coucher vers peut-être 6 heures du matin. C'était pendant le Festival de Cannes. Après une fête, et donc il avait très sommeil. Et pendant son cinématon, il joue la personne qui s'endort. Quoi. Alors ce qu'il faut dire, c'est que le cadre est toujours le même pour chaque personnage, oui. C'est le visage. C'est-à-dire que le cadre est le même, et à l'intérieur du cadre, la personne fait ce qu'elle veut. Alors il y en a qui disparaissent du cadre. Junio, il y a des moments où il s'effondre, il disparaît. Alors Galaxy Barbout, qui est la plus jeune cinématonée de France, c'est ça? Oui, c'était donc Galaxy Barbout qui a 7 mois à ce moment-là. Oh, mais là vous trichez, parce qu'elle n'est pas consciente là, de ce qu'elle fait. Ah, ouais, mais elle est très bonne, je trouve que c'est une des meilleures. Moi, je la trouve vraiment excellente. C'est peut-être le début d'une carrière future, j'espère. Alors vous, Annabelle Buffet, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez cinématonnée? 3 minutes 20, vous dites. C'est, ça, bah, c'est oui. Beaucoup, 3 minutes moi, 20, comme rien, ça. Moi, je crois que je ne le ferais pas, en plus. Oh, vous auriez peur? Ça vous intimide? Ah, bah, ça me ferait plaisir que vous le fassiez, quand même. Oui, non, mais je ferais rien, si vous voulez faire. Ben voilà, vous voyez? Et vous, Brigitte? Ben, je crois que je ne ferais rien non plus. mais je crois que, j'en reviens vraiment, je crois que c'est la caractéristique entre moi. Souvent, dans les cinématons, quand les gens font rien, c'est souvent même les plus intéressants, parce que faut pas oublier que c'est du cinéma muet, donc il y a une salle, la salle, en général, les salles sont pleines, et il y a des réactions fantastiques, les gens participent, ils parlent, ils rient, et dès qu'il y a un cinématon où il ne se passe pas grand-chose, ils attendent le moment où il va se passer quelque chose. Ouais. Alors, il y a une tension comme ça, c'est puis dès que la personne regarder, ouais. commence à peut-être rire un tout petit peu, à bouger un peu les lèvres, alors là, d'un seul coup, la salle explose, et ça devient très, très drôle. Alors, vous savez, Pascal, vous présentez comme l'hurluberlu du court-métrage, c'est vrai, parce que là, vous vous lancez dans une nuit folle. Une nuit folle demain, ouais, au Grand Edgar, où il y aura 70 seulement sur un peu plus de 1000 c'est qui ça, seront ouais. présentés. Et ça va être super parce que ça va être super, ça va être comme ici en fait, l'image sur l'écran et le son dans la salle. Très
Très bien. Et ça va, on va amener des crécelles, on va amener plein de bruit, ça va être une nuit formidable. Enfin, je vous invite tous à y aller, hein, ça va être vraiment génial. Merci d'être venu, l'adresse très vite. C'est au Grand Edgar, et bien c'est 6 rue de la Gaîté, dans le 14e. Très bien. Et puis alors ça va être coupé, voilà. Alors dépêchez-vous pour les places. Merci. Demain soir de minuit à l'aube. Il y aura des cinématons en direct, etc. etc. Je vous coupe, parce que nous arrivons à la fin de l'émission. On va devoir se quitter, Annabelle Buffet. C'est triste, hein. Bertrand Renard, maintenant avec vous, un collectionneur. Si c'est un collectionneur, c'est vrai, vous avez trouvé un collectionneur, oui. Qui fait un très beau, très grand film avec plein de vedettes et un film qu'on verra en tout cas à peu près jamais complètement. Si, voilà. On peut le voir. On peut le voir d'abord parce qu'il y a des projections qui sont organisées. Il va y avoir une nuit au théâtre d'Edgar à Paris le 16 avril. Et puis il est même prévu à Gand en octobre qu'on passe le film tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire 72 heures. Alors quel film? Eh bien c'est le principe, il y a des acteurs multiples, il y a beaucoup de stars et puis il y a des gens qui sont absolument pratiquement inconnus et curieusement ces acteurs n'ont jamais de scène ensemble. Ça s'appelle Cinématon. Tonton. Oui, Cinématon. Ça s'appelle Cinématon. Le principe est très simple. On vous met devant une caméra et vous faites ce que vous voulez pendant une durée donnée. C'est muet, c'est pas un mot. Et on fait ce qu'on veut pendant 3 minutes absolument. Et quelque chose. Et c'est pas évident. Alors regardez, c'est un peu surréaliste, mais c'est fou. Et c'était avec Bernard Ronflet qu'on a vu ça. Stop, arrêtez, Cinématon, c'est totalement silencieux. Mais derrière Cinématon, il y a tout de même un cinéaste. Bonjour. Le principe de Cinématon, c'est une caméra qui filme sans interruption pendant 3 minutes et 20 secondes. Les gens savent qu'il n'y a qu'une seule prise, qu'ils ne peuvent pas recommencer leur prestation, et les gens sont libres de faire absolument ce qu'ils veulent. Et le cadrage, c'est le même cadrage qu'une carte d'identité, que les photos d'identité ou que les photomatons. Et devant Cinématon, il n'y a pas que des vedettes. Voici le 1031. Justement, j'ai pas répété. Absolument pas. J'ai prévu mon idée. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et le 1032. J'ai fait des choses ridicules dans ma vie, mais là, je dois dire que c'est grand. Là. 3 minutes de silence, c'est très long. Mais quand il faut combler ces 3 minutes de silence par des gestes, par un acte, ça paraît très long. Comme je n'ai rien à dire, le fait que ce soit muet, je suis ravi de cette formule. C'est parti. En condensé, bien sûr. C'est parti. C'est l'acte gratuit par excellence. Quel bon moment. À quoi peut conduire la gratuité devant un si petit objet ?
Voilà, alors c'est extraordinaire. Donc il y en a 1032 personnes se sont fait cinématonner de cette manière. Jean, vous, je vous ai vu dans la bande, vous avez fait ça en 60... Moi, je suis le 964. Ouais. Vous avez fait ça quoi, il y a quelques mois? Il y a 6 mois, septembre, 29 septembre ou 26 septembre. Oh, bah, oh. Bah oui, je l'ai vu, c'est super. Ouais. Attends, il y a Brigitte, tu veux dire un mot? C'est très frappant parce qu'on a vu deux extraits avec deux femmes, Maruche Calletner et Sandrine Bonnet. Elles ne font rien, elles sont naturelles, alors que les hommes font toujours tout à l'heure. On a vu Juliette Berthaud qui jouait. Non. C'est vrai, c'est pas forcément vrai. Parce qu'on n'a pas d'idée, peut-être. Non, mais il y avait Juliette Berthaud jouer avec un... Eh bien, nous allons commencer la revue de presse. La parole est à Philippe Aubert. Thank you.
Ouais, Gérard. Non, non, mais... Non, mais c'est, là, je fais... disons que je suis en train de faire du travail pour le monteur, là, voilà. Vous savez qu'il y a un festival, on peut vivre ici. Oui, oui. Alors, c'est lui qui pose les questions. Alors, oui, pendant le colloque du matin, tous les intervenants, surtout les réalisateurs, ont été assez critiques de la télévision d'aujourd'hui et ont dit beaucoup de bien de la télévision d'hier. Moi, je pense que la télévision, c'est quelque chose de fantastique, d'extraordinaire, même mieux que ça encore, et qu'on est quand même assez grand pour savoir ce qu'on veut regarder. Il est quand même facile de choisir un programme, et quand on regarde un programme qui ne nous satisfait pas, c'est quand même très facile de zapper, de passer d'une chaîne à l'autre. Et je pense qu'avec les chaînes qui existent aujourd'hui, on peut vraiment se constituer un programme vraiment remarquable, tous les jours, et presque, je dirais même, je dirais pas à toutes les heures, mais quand même, disons les 6 chaînes de télévision françaises permettent de se confectionner des programmes vraiment très alléchants. Oui, je peux parler de Cinémathon. Alors, Cinémathon est le film à la fois qui a le plus beau casting de l'histoire du cinéma et c'est également le film le plus long de l'histoire du cinéma. Alors je m'explique. Cinémathon est un film qui a été commencé en février 1978 et qui n'est pas terminé, que je poursuis. Donc une sorte de work in progress. Alors voilà ce que c'est. Un cinémathon, c'est un portrait filmé d'une personnalité des arts et du spectacle. Chaque cinémathon du premier, qui a été réalisé donc en février 1978, jusqu'au dernier, et ça continuera comme ça, tous les cinémathons sont filmés exactement selon le même principe, c'est-à-dire que chaque portrait dure 3 minutes et demie, que c'est un gros plan, style cadrage photo d'identité, que c'est un plan séquence, qu'il n'y a qu'une seule prise, c'est absolument impossible de recommencer, même si la personne se plante complètement, elle s'est plantée, tant pis, c'est le jeu, et que chaque personne filmée est libre de faire ce qu'elle veut devant la caméra. Et il n'y a pas de son, voilà. Donc, il y a des gens, des cinéastes, des écrivains, des acteurs, des journalistes qui ont été filmés, des gens comme Godard, Wenders, Sandrine Bonner, Mourouzi, Samuel Fuller, etc. 1080 personnes ont été filmées pour l'instant, ce qui représente environ 75 heures de film. Et récemment, il y a eu une rétrospective intégrale au Centre Pompidou où on avait montré les 1000 premiers cinémathons pour commémorer les 10 ans d'existence de Cinémathon. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de fin et je continue. Je ne sais pas quand est-ce que j'arrêterai. Il n'y a pas de son pour plusieurs raisons. Alors, première raison, c'est parce que je suis, un fanatique du cinéma de l'époque du muet. J'adore cette époque et je pense qu'on n'a jamais fait passer autant d'émotions dans le cinéma que dans cette époque du cinéma muet, bon, particulièrement dans les années 20, quand le cinéma muet était vraiment au summum. Bon, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, le fait qu'il n'y ait pas de son oblige les gens à se montrer d'une façon complètement différente de l'image qu'ils offrent en général, par exemple à la télévision ou au cinéma. Ils sont obligés de se remettre complètement en question et vraiment, ils sont autrement. Ils sont ni meilleurs ni moins bons, là n'est pas le problème, mais c'est un autre produit, je dirais. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que l'image que je donne d'une personne, en général, ne ressemble pas à l'image qu'on connaît de cette personne-là. Et dernière chose, et ça me semble très important, les projections des cinémathons se passent toujours dans une ambiance absolument extraordinaire, indescriptible, c'est une sorte de happening. La salle de cinéma
fonctionne, les gens participent, il y a des cris, des rires, quelquefois même des gens se battent dans la salle. Enfin, il se passe toujours des choses qui sont complètement imprévisibles. Et c'est, je dirais, c'est unique. Il n'y a aucun autre film qui permet de faire passer une sorte de vent de folie dans la salle de cinéma. Justement, à ce propos, est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote de la réalisation du cinéma ? Ouh là là, il y en a tellement, je dirais, que pour chaque portrait qui a été filmé, bon, j'en garde des souvenirs. Mais je pense à Sandrine Bonner. Quand je l'avais filmée, c'était en juillet 82, donc elle n'avait absolument jamais tourné. Et c'était très drôle de la filmer, parce que moi, je ne prévoyais pas du tout qu'elle allait faire une carrière comme elle l'a fait. Mais bon, il s'est passé tellement de choses. Je me souviens, par exemple, Georges Le Gloupier, qui est le personnage qui est spécialiste des envois de tarte à la crème sur des personnalités, comme il en avait envoyé sur Godard, sur Bernard-Henri Lévy aussi. Et lui avait fait, dans son cinématon, une sorte de petit déjeuner à la machette, où il utilisait du vin, du lait, de la farine, un seau d'eau. Enfin, c'était assez incroyable, en 3 minutes et demie, de faire autant de choses. Il avait fallu après 2 jours pour nettoyer l'appartement où on avait filmé. Gilles Colpart, on sait que vous êtes le grand spécialiste du court-métrage. Ça fait au moins 15 ans que vous suivez les festivals de court-métrage et que vous allez voir systématiquement les court-métrages. Oui, ça fait presque 15 ans maintenant, oui. Ça fait un bail. Le spécialiste, c'est sûrement vrai, parce que la réalité me prouve que je suis quasiment le seul sur le créneau, de moins en moins d'air, parce qu'il y a maintenant Gérard Pétilla qui commence à s'y mettre aussi depuis une année ou deux, et je crois qu'on sera pas trop à deux. Alors, je crois que si je suis devenu spécialiste, c'est plus par manque de concurrence qu'autre chose. Moi, je ne cherche pas du tout de privilèges dans ce domaine. Je déplore même qu'il y en ait un. Je préférerais qu'on soit 50 à en parler régulièrement, qu'il y ait une émulation pour le court-métrage. Malheureusement, elle n'existe pas. Ce qui fait que on fait comme on peut, quoi. Alors, quel est l'avenir du court-métrage ? Moi, je crois que l'avenir du cinéma, c'est le court-métrage. Je veux dire par là que c'est pas forcément le court-métrage en tant que tel, c'est la durée variable. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien le clip que la pub ? Je crois que la pub, à son domaine, c'est du court-métrage forcément. Moi, j'ai rien contre la pub. Quand elle est bien faite, c'est un spectacle. Et je sais que j'aime la voir comme les enfants aiment la voir. J'ai rien contre la pub. Simplement, ça me fait pas trop plaisir qu'on vende des produits comme ça, tire-larigot. Mais si c'est bien fait, moi, je considère que c'est du court-métrage. J'en suis client. Le clip, de la même façon, quand simplement c'est le calcage de paroles de chansons à une action, je ne trouve pas aucun intérêt. Par contre, quand c'est une vraie création cinématographique, et j'en vois sur M6 qui sont pas mauvais, je trouve ça très bien. Et je trouve même qu'il y en a qui sont beaucoup mieux que des courts-métrages de fiction, qui eux peinent beaucoup à raconter leur histoire, à aller au bout. Donc je n'ai aucun sectarisme en la matière. Moi, tout ce qui est court m'intéresse. Oui, alors, quel est l'avenir, pour l'instant, tout ce qui du court-métrage est variable, je dirais. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que des longs-métrages doivent durer au moins 1h15, 1h20, 1h30, et on sent vraiment qu'ils ont tiré à la ligne, ou poussé à l'image, pour arriver à cette durée-là, histoire de faire un long-métrage. Et ça, je trouve ça assez déplorable, de la même façon qu'il y a des courts-métrages qui sont un petit peu trop condensés, parce que les gens veulent faire un petit peu trop d'effets, montrer qu'ils savent faire mieux. Ils veulent être très courts aussi, pour pouvoir passer en première partie. Il y a ça aussi, qui aurait... Et certaines scènes auraient mérité d'être détaillées, soit pour faire de la psychologie, soit au contraire pour du contemplatif ou n'importe quoi. Je veux dire, mais chaque sujet, chaque propos a son propre rythme. Et ce qui est dommage, c'est que ce rythme soit, je dirais, abâtardisé par des nécessités ou des contraintes tout à fait artificielles et arbitraires. Je crois que les contraintes, les contingences de durée dans des compartiments précis, moins d'une heure court-métrage, plus d'une heure long-métrage, tout ça va disparaître avec le temps, peut-être dans 50 ans, je ne sais pas, mais... Il y a un jour où tout ça va disparaître. La consommation d'images est telle qu'on va consommer les images pour ce qu'elles sont et non plus pour ce qu'elles durent. Ce qui fait qu'à mon avis, le court-métrage, mais comme le long, comme ce qu'on appelle encore le long, a un immense avenir. Et je crois qu'on verra des films de 3 minutes comme des films de 3 heures, je dirais pas de la même façon, mais sans regarder l'un comme le petit de l'autre ou l'autre comme le géant de l'autre. Je crois que les auteurs vont s'exprimer comme ils le sentent. Et si ces contingences disparaissent, les films auront vraiment la durée spécifique qu'ils doivent avoir, et non plus une durée comme ça. Il y a des gens qui sont faits pour le court-métrage, qui font du long et qui s'y plantent parce qu'ils ne sont pas faits pour le long.
Ils essaient de durer une heure et demie, alors que visiblement, en 50 minutes, ils auraient tout dit, et à rebours, la même chose. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à une stabilité et que chacun trouve son créneau, et qu'il n'y ait plus de contingence d'obligation pour les créateurs à s'imposer dans un domaine qui est pour l'instant plus vendable que l'autre. Je veux dire que c'est là qu'est l'erreur, quoi. Elle est commerciale, c'est vrai, mais c'est regrettable. Ouais, Gérard. C'est pas logique qu'on se retrouve avec pratiquement aucun. Enfin, je veux dire, on était tous d'accord sur 3, 4 films, 5. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a des divisions, c'est aussi, c'est permis qu'il y a des ambiguïtés. C'est-à-dire que vous avez aussi des films qui ne sont pas des films, parce que sont des professionnels, évidemment, et qui sont des films. Merci. D'associations. Non, merci beaucoup. Vous avez des films étonnants. C'est vrai. Physiquement. Les films. Mais il soulève des questions intéressantes. Oui, il soulève des questions très intéressantes. Moi, je dois dire que je suis bien sur mon siège. Là-bas, ça doit applaudir à toi. Ah oui, ça va. Ça, tous les coups. De la télévision.
Bonsoir. Je prends mon souffle parce que j'ai un texte qui est peut-être un peu plus long que les autres jurys. Alors, aucun prix de télévision n'a pu être malheureusement décerné à l'occasion du 9e festival international Cinéma, Télévision et Monde Rural d'Aurillac. Cette décision, prise à l'unanimité du jury, résulte tout à la fois des modalités de sélection et de programmation et des conditions matérielles et techniques de projection de l'ensemble des œuvres de télévision inscrites au programme du festival. Toutefois, nous entendons rendre hommage à l'obstination de Michel Amouzin et Christian Bosseneau qui ont œuvré au mieux des conditions qui leur étaient imposées par les services concernés. En effet, loin d'être un désaveu de l'initiative courageuse, intelligente et parfaitement originale des organisateurs de cette manifestation, cette décision veut au contraire mettre en lumière la nécessité de promouvoir la télévision de création dans des conditions optimales, que ce soit par l'étoffement de la sélection fondée sur des critères rigoureux ou par des possibilités de projection en tout point comparable à celle déjà existante pour le cinéma. Ainsi, les membres du jury estiment-ils de cette manière non seulement défendre et valoriser la télévision en tant que moyen d'expression, a fortiori dans le contexte actuel, mais également conforter et si possible pérenniser des rencontres aussi utiles et chaleureuses que celles de cinéma, télévision et monde rural à Aurillac. Le jury tient cependant à souligner l'excellence du travail réalisé par Maurice Falvic pour son film « L'écho ». C'est tout. A toujours créé des surprises. Là, il y en a une nouvelle, c'est pas plus mal.
Memorial, April 1st, 1987. I am apprehensive about attending the memorial service for Andy Warhol at St. Patrick's Cathedral. A month earlier, The Star, a gossip magazine, ran my photograph with a recklessly erroneous caption. Valerie Solanas got her moment in the spotlight when she burst into Warhol's studio and shot him. Bang, bang. I never shot Andy. That was Valerie, a passionate revolutionary who was sentenced to 3 years in prison for her crime. I am worried that today an Andy worshipper may recognize me from that picture and take misguided revenge. Or the opposite may happen. A curious, still crazed Warhol acolyte, carelessly discarded when the master grabbed all the fame and money, may throw a bomb in the cathedral to commemorate a final happening on this April Fool's Day. In death, as in life, Warhol deals in contradictions. Outside the steps of the cathedral, a woman is shooting. The monster is dead. The monster is finally dead. I wonder, did this woman have a grudge against Andy, or is she trying to become famous for 15 minutes? What kind of mask can you put on for Warhol? Will the Warhol public be more at ease with a black mass? His Eminence John Cardinal O'Connor has declined to celebrate the mass. Is it in fear of turning St. Patrick's into a cathedral of sinners, or to avoid being reminded of a priest's recent death from AIDS? Warhol is, in a way, the spiritual father of AIDS, casual gay sex and equally casual needle sharing having been daily fare at his factory. But the Cardinal's Cathedral has been made available for a farewell service for the shy, near-blind, bold, gay albino from an ethnic Pittsburgh ghetto who dominated the art world for two decades, hobnobbed with world leaders, and amassed an estate of $100 million. He streaked across the sky a dazzling media meteor who, in other time or place, could have been a Napoleon or a Hitler.